fonds expresso j'espère que vous allez bien et euh, on va euh, commencer euh, tout de suite euh, donc avec un dollar qui euh, a dépassé la barre des 100 euh, mais cet après midi à 14h30 il y a le chiffre de l'inflation qui est très attendu et donc on est en mode attente un petit peu euh, sur euh marché du forex maintenant. Euh, le, cette hausse du dollar au-delà des 100 a permis aux dollariennes de toucher exactement son plus haut de 2015 et la suite risque de dépendre du chiffre de cet, cet après-midi. On voit tout de suite ça en graphique, mais avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Si ma souris veut bien se positionner, voilà. voilà donc, euh, vous voyez ce dollar qui monte petit à petit euh, avec des moyennes mobiles ascendantes euh, qui donc a dépassé les 100. alors, au-delà de euh, cet objectif euh, psychologique dont j'ai beaucoup parlé, euh, l'objectif technique, il est beaucoup plus haut. Euh, et ça voudrait dire donc on aurait à faire, on va regarder ça ensemble, mais on aurait à faire un, un, un euro-dollar beaucoup plus bas, donc ça serait, vous voyez, par rapport ici d'abord, euh, donc 100,50, euh, plutôt 101, pardon, ici. Alors, je vais le tracer, ça va être plus simple, plus clair. Voilà, ici, vous voyez ce plus haut euh, de plusieurs semaines euh, sur 101 dans un premier temps, et, mais au-delà, euh, c'est plutôt 103, euh, voire même euh, 104. Donc, euh, un potentiel aussi important si euh, le dollar poursuit sa progression après le... CPI. On va voir ce que ça donne sur l'euro. L'euro qui tient plutôt bien euh, alors que euh, les conditions ne sont pas très favorables à la devise européenne avec un conflit sur le continent européen, une élection présidentielle donc, qui a rassuré. C'est pour ça que l'euro se maintient plutôt bien. Euh, mais qui risque de revenir sur le devant de la scène, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, si jamais euh, les euh, sondages euh, se euh, donnent euh, un, un écart euh, moins important ou se renverse. Euh, mais en tout cas, euh, l'euro reste quand même, malgré tout, euh, dans une tendance baissière, surtout sous 1,09. 34. Alors, on n'a pas d'accélération à la baisse parce que vous voyez ce doji ici euh, a contenu la baisse des cours, j'en ai parlé hier, mais hier on a cette longue mèche haute au contact des 10934, donc on ne peut que garder un biais baissier sous 10934 et éventuellement voir euh, une accélération euh, baissière ou en tout cas un, un, un test assez conséquent de cette forte zone de support alors comment se positionner ce qui manque en fait euh, c'est peut-être une vraie bougie rouge en fait une, euh, avec un corps euh, qui dépasse euh, par son ampleur euh, les corps des chandeliers précédents euh, si on peut-être qu'il faut regarder en une heure et si en une heure vous voyez apparaître après les chiffres du cpi une bougie rouge d'ampleur ou en 30 minutes on va dire euh, sur ces niveaux donc une bougie bien baissière alors vous pourriez peut-être rentrer short avec un objectif sur la zone de support ça serait en tout cas un bon deal vous avez le même scénario sur le câble à surveiller donc le câble, hein, j'en ai parlé euh, puisque j'ai dit que euh, j'étais baissier sur le câble avec euh, un objectif sur... 1, 28, 46. Euh, le problème du câble, c'est que vous voyez, il reste, il y a ces petites mèches basses là quand même et des petits corps. Donc certes, on a cassé les 1,30-45 que je surveillais, mais on reste autour de ce niveau psychologique des 1,30. On a failli le casser ce matin, et même on l'a cassé ces derniers jours, mais à chaque fois on revient au-dessus. Donc si vous voyez une clôture horaire en dessous de 1,30, vous pourriez, comme sur le Rodol par exemple, rentrer short euh, après après bien sûr les chiffres du CPI. Cet après-midi. Alors, on va le voir bien sûr le dollarian parce que c'est un petit peu la star du jour, euh, comme depuis d'ailleurs plusieurs jours. Vous voyez qu'on a touché euh, pile poil les 125,85, le plus haut de 2015. Je euh, vous ai mis ici le niveau suivant qui est à 135, donc extrêmement haut. Avant, il y aura le niveau psychologique des 130. Euh, donc, beaucoup de gens parlent parce que euh, beaucoup de gens, euh, de traders, d'opérateurs, d'analystes, euh, ont déduit des propos de la boche qu'elle n'interviendrait que au contact de ce niveau des 130. Euh, alors c'est une interprétation. Je ne pense pas que ce soit à prendre au pied de la lettre parce que la boche ne va pas dire euh, sur quel niveau euh, ils vont euh, intervenir. Mais si jamais on avait une cassure au-dessus des 125,85, l'objectif des 130 me semble plutôt approprié donc voilà les niveaux euh, ou en tout cas les conditions à surveiller après euh, le cpi cet après-midi donc sur le dollarienne c'est peut-être le plus clair 125,85 euh, sur le câble 1,30 euh, oui et euh, sur l'eurodoll voir si on a une un vrai chandelier baissier sur euh, les autres paires de devises, notamment l'AUDUSD, autre paires de devises majeures, on a un rebond euh, sur la moyenne mobile à 34 périodes qui est intéressant. On verra s'il est confirmé euh, ce soir en, euh, à la clôture après les chiffres du CPI américain. Voilà, euh, on n'a pas, euh, on est vraiment dans un monde attente euh, de ces chiffres avant de donner euh, une impulsion supplémentaire aux tendances en cours. Euh, on peut toujours euh, aller voir euh, la livre yenne, mais, euh, mais. Et les paires comme je vous ai expliqué hier, mais vous voyez, on est sous des, sous des résistances. Là, vous avez la livre yen, euh, là, euh, l'euro aussi. Vous voyez, euh, hier, cette hésitation quand même au contact de cette zone de résistance sous 137,50, entre 137,10, et 137,50. Euh, donc, on est vraiment dans un monde attente. On a peut-être la seule. Hop! Euh, le seul vrai rebond, euh, c'est, je vous avais parlé que vous, vous pourriez, moi je ne l'ai pas fait parce que j'aime pas trop ça, mais que vous pourriez éventuellement jouer un trade long euh, après cette bougie ici sur le Looney Donc vous voyez que ça monte, mais attention, vous avez la banque du Canada qui va le chiffre du CPI cet après-midi bien sûr, mais le, la banque du Canada aussi euh, mercredi euh, demain. Donc, euh, donc avant deux événements de... aussi importants, je pense que si vous avez fait un profit là-dessus, il vaut mieux sortir. Euh, voilà. Et puis dernière chose, demain matin, alors euh, pendant que moi personnellement, je dormirai, mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi, puisque c'est à 4h du matin, la Banque nationale euh, de Nouvelle-Zélande, la Royal Bank of New Zealand, se réunit aussi, on attend une hausse de taux <laughs> de 50 points de base, pardon. Mais... Euh, toute euh, hausse de moindre ampleur serait une déception donc évitez de jouer sur le kiwi de faire des trades sur le kiwi euh, avant demain matin voilà donc on est à la juste avant des chiffres importants aux états unis et des réunions de banque centrale <laughs> canada Nouvelle-Zélande demain et Banque Centrale Européenne jeudi. Donc un petit peu d'attentisme euh, sur le marché avant euh, une, euh, une possible euh, nouvelle euh, impulsion ou en hein, tout cas vague de tendance sur les devises. Voilà euh, ce que que je pouvais vous dire euh, donc il se passe pas grand chose mais normalement ça va s'accélérer à partir de cet après-midi je vous souhaite à tous et à tous un très bon après-midi de très bons trades n'oubliez pas vos stop loss à demain ciao ciao